j'avais déjà l'idée de faire le lieu du mélodrame. Bon, c'est quelque chose qui était inhérent en moi depuis que je suis entré dans cet appartement il y a plus d'un demi-siècle. Et puis, disons qu'au début des années 2000, le projet est devenu plus concret par rapport à ce que vous avez vu, c'est-à-dire que je voulais faire un film sur ce lieu. Voilà. Il y a aussi une autre constante dans tes films, c'est qu'il y a quand même toujours le personnage d'une mère. Oui, bon, ma mère était quelqu'un de... Bon, c'était ma mère, évidemment, je suis hyper subjectif par rapport à ça. Elle était à la fois géniale et chiante, quoi, comme elle peut l'être, voilà, comme nous le sommes tous, hein, avec son caractère. Et en fait, si je fais des films, je pense que je lui dois énormément. Parce que c'est elle qui, depuis que j'étais tout petit, m'emmenait au cinéma. Donc j'ai commencé à voir des films à l'âge de 3-4 ans. C'était en Équateur, en Amérique du Sud, et puis après, ce qui fait que j'ai toujours voulu en faire, voilà, c'est toujours le métier que j'ai voulu faire. Merci. Ah, très bien, super. Merci beaucoup. Voilà, donc, c'était elle. Il y avait aussi mon père, mais mon père, c'est toute une autre histoire, parce qu'il était absent pendant un moment, donc c'est elle, et aussi une amie à elle qui s'appelle Rosa, qui est toujours vivante, heureusement, avec qui il avait été déporté, qui m'a emmené au cinéma, qui m'a donné envie de faire des films. Donc c'est vrai, c'est un personnage très important. Et puis, évidemment, au niveau, avec son histoire en plus, parce que bon, vous avez vu dans l'arrière-fond du film, il y a la Shoah, quoi. Voilà. Donc c'est une histoire. Bon, okay. Moi, je suis né avec. Alors pour moi, c'était ma normalité avec des gros guillemets. Mais je sais que c'est quand même une histoire extraordinaire. En plus, en Amérique du Sud, ce qui n'est pas rien, dans les années 50-60. Hein. Donc voilà. On voit avec le montage, puisque ta mère apparaissait déjà dans d'autres films, mais on voit par le montage à quel point c'était aussi une superbe comédienne. Ah oui, c'était une actrice pour moi. C'est pour ça que je la faisais jouer dans mes films. La pauvre, quand elle rentrait du travail, je la faisais tourner. Parce qu'en fait, il y a une raison très concrète à ça aussi, en dehors du fait que c'était ma mère, c'était la seule comédienne que j'avais sous la main. Puis elle coûtait pas cher, c'est vrai. Mets-toi dans la lumière. Oui, comédie, ça marche pas. Non, puis même, pense comme tu dis, c'est un mélodrame, parce qu'en fait, elle m'a fait que rire. Il est temps de reprendre le train vers Nantes. Demain, retrouver les cycles quotidiens, retrouver les mêmes images. Je filme comme pour rester encore un peu dans l'illusion du cinéma, des images qui défilent dans le petit écran de ma caméra compacte. D'écran à écran, du petit de la caméra au grand de la salle de cinéma. Au-delà de la dimension, question d'échelle, il y a peut-être une forme de continuité, un geste qui se prolonge et qui s'étire pour faire passer l'image d'un cadre à l'autre. Captation, projection, deux temps d'une même respiration. Alors je filme peut-être pour garder le lien avec les filmeurs qui m'ont précédé, peut-être pour inscrire mon travail dans une histoire d'un cinéma particulier et pour tenter d'aller directement aux faits cinématographiques, comme le dit Alain Cavalier. Depuis sa création, il est dit que le cinéma est une invention qui n'a pas d'avenir. C'est même une phrase qu'on attribue à Louis Lumière, mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances il l'a prononcée.
Parlaient-ils de leur invention technique, le cinématographe, de leur entreprise, qui ne connut pas le succès espéré? Pressentait-il que tout cela lui échappait? Godard a écrit cette phrase en italien sous l'écran de la salle de projection dans le mépris. Le cinéma est une invention qui n'a pas d'avenir. Il est étrange d'entendre aujourd'hui que le cinéma en salle tel que nous le connaissons va peut-être disparaître au profit d'autres formes de projection et de diffusion. Autres formes plus que jamais inféodées au monde de l'industrie, au pouvoir de l'argent. Tout ce que cherchent à fuir Mordeur, Cavalier, Courant, Hanoun, Moulet, Petit et d'autres. Pour tenter de faire un cinéma particulier, celui dont parlait déjà Truffaut en 1957 dans son article « Le film de demain sera un acte d'amour ». Le film de demain ressemblera à celui qui l'a tourné et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéaste.